quand on a encore un changement sur une blessure, comme la semaine dernière, où on a trois changements. Après, on sait que Amine est quand même important sur les coups de pied, arrêtés. C'est lui qui tient le coup de pied arrêté aujourd'hui. Après, c'est un équilibre d'équipe tactique à trouver, parce qu'on a, voilà, on avait mis quelque chose en place avec des joueurs pas forcément de percussion sur les côtés, parce qu'on voulait utiliser l'espace qu'ils laissaient avec leur système de jeu à 5. À l'intérieur. Après c'est pareil, il faut à 1-0, il faut avoir aussi les possibilités de changer poste pour poste. Là, après, effectivement, quand on a pris le but, il y avait Moutarji qui est plus un profil de percussion et offensif. Voilà, après c'est sûr que quand on se fait égaliser comme ça, on est toujours déçu. La semaine dernière, on avait gagné à l'extérieur. C'est vrai qu'on aurait voulu enchaîner par une deuxième victoire consécutive, mais ça n'a pas été le cas. Enfin, ce que je veux rappeler, c'est qu'on a pris l'équipe il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de blessés, donc on va récupérer Noussi, on va récupérer Moudan, on va récupérer quelques-uns là, dans la semaine. Et puis on doit travailler dans l'objectif d'être prêt très très vite sur un collectif un petit peu plus fort que ce qu'on a montré aujourd'hui. Je suis d'accord.